Yo les gens, c'est Aurélien. Alors, vous l'avez eu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la malédiction des sound designers. Ouais, ça fait peur comme ça, ouais. Alors en vrai, personne n'appelle ça comme ça, mais moi j'appelle ça une malédiction, et vous allez vite savoir pourquoi. Donc, pour rappel, qu'est-ce que le travail d'un sound designer ? Eh bien, le sound designer crée des sons, ou applique des sons, à un support, donc ça peut être l'audiovisuel, donc le cinéma, le web, la pub. Ça peut également être le jeu vidéo, donc qui est mon cas. Et donc son but concret, c'est d'arriver à donner vie à l'image en y apportant une couche supplémentaire de son. Parce que en général, si je prends l'exemple du cinéma, les sons qu'on enregistre à la prise sont très bien, mais parfois ne sont pas suffisants pour appuyer l'image. Je prends par exemple le bruit d'une porte. En tout cas, le bruit de la porte d'origine ne suffit pas à l'image. Et donc le travail du sound designer, ça va être de rajouter un autre bruit de porte qui lui fera l'affaire. Et oui, le cinéma, c'est un milieu de la triche, de la grosse gruche comme il faut, de la bonne grosse gruche quoi. Et donc, il existe différents types de sound designer. Il y a le bon et le mauvais sound designer. Non, ça c'était dans un sketch. Non, donc il y a différents types de sound designer. Il y a les sound designers qui sont dits foley artistes, donc ce sont des gens qui vont notamment enregistrer des sons à l'image et qui vont donc un peu à la manière d'un comédien de doublage, ils vont prendre l'image et refaire les sons en même temps que l'image et apporter cette couche comme ça. On les appelle aussi des bruiteurs, même si bon techniquement tous les sound designers sont des bruiteurs, mais c'est ceux qui se rapprochent le plus de ce média. On a également les sound designers dits de banque, qui sont en gros des sound designers qui vont être là pour produire des sons à partir de banques de sons. Si vous ne le savez pas, il existe beaucoup de sociétés comme Boom Library par exemple, ou encore Bluezone qui sont des sociétés qui proposent des banques de sons. Donc par exemple des banques de sons de chiens, de voitures, d'avions, monstres. Et donc ils fournissent ce qu'on va appeler une matière première pour les sound designers de banque. Parce que oui, on va pas réutiliser les sons tels quels. C'est très rare que ça arrive, en général on préférera retravailler le son via différentes techniques comme le pitch qui rend la voix plus grave. De la reverb, de la compression, des EQ, bref, plein de termes techniques qu'on va pas détailler ici parce que sinon la vidéo va faire une demi-heure et c'est pas le but. Et en plus je vais vous perdre. Déjà que je pense que j'en ai perdu 2-3 au fond. Ah ouais, je vous vois, ouais. Et il existe le troisième sound designer qui est un peu l'entre-deux, c'est-à-dire qu'il enregistre des sons quand il a pas ce qu'il faut en banque et il mélange un peu les deux. Moi je me range plutôt dans cette catégorie là parce que j'ai pas forcément le temps et l'envie d'enregistrer constamment des sons pour avoir ce que je veux, et en même temps j'ai pas non plus les moyens d'acheter à chaque fois la banque de sons qu'il me faut pour un projet. Donc je mixe en fonction de mes besoins. Ça m'arrive des fois d'enregistrer des sons, ça m'arrive également de partir de banque. On est sur un 80% de banque, 20% d'enregistrement pour moi. Et du coup, la malédiction du sound designer s'applique essentiellement à ceux qui utilisent des banques. Et vous allez vite voir venir le truc. Parce que quand on bosse avec des banques de sons, il y a quelques classiques, c'est-à-dire qu'il y a des banques qui se retrouvent dans tous les studios. Et parfois, à force d'utiliser les mêmes banques, et ben on se retrouve à utiliser les mêmes sons sur différentes scènes et différents médias. Et je vais pas vous cacher que moi, il y a une certaine banque où il y a un son qui s'appelle la French Door Small, donc une porte française petite. Et le son d'ouverture est très reconnaissable. Un petit extrait. Et ce son-là, je peux vous jurer que si vous le retenez un minimum, vous allez vous rendre compte qu'il est utilisé partout. Je l'ai entendu sur des sketchs web, je l'ai entendu dans des animés, dans des films. Elle est partout, dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et ce n'est pas le seul son qui est comme ça. Et moi, ça me pourrit mes séances vidéo, ça me pourrit mes séances de jeu. Je reconnais à chaque fois le bruit de cette porte ou un autre son. Il y a quelques autres sons, ils sont ultra reconnaissables. Autant des bruits de pas, par exemple, c'est très compliqué de les reconnaître. Mais certains bruits de porte, je suis désolé, on les reconnaît partout. Et ça me rend dingue. Parce que imaginez-vous, moi je suis dans ma salle de cinéma, là je suis en train de regarder un film trop bien, je suis à fond dedans, je suis complètement imprégné du film, et là j'entends ce bruit. Et bah moi ça me sort du film, je suis désolé, je peux pas me concentrer sur un film si j'entends un bruit de mes putains de banques de sons. Donc voilà, la malédiction du sound designer, c'est d'entendre en plein milieu d'un film ce son typique de bruit de porte. Et le pire, je fais une petite aparté musicale, mais il existe aussi ce syndrome pour la musique. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des presets, qui sont en gros des configurations de sons ou des boucles sonores qui sont utilisées dans pas mal de projets. Et il y a notamment un instrument qui s'appelle Damage, qui a des super sons de percussion, mais qui a aussi des super boucles. Mais le problème, c'est que tout le monde les utilise, ces boucles. Il n'y a pas si longtemps que ça, je suis retombé sur un trailer de Final Fantasy XIV, et bah à un moment, qu'est-ce que j'entends?
du damage. J'ai reconnu la boucle, c'est-à-dire qu'en gros, le mec, il a appuyé sur un bouton, et ça lui a fait sa boucle de percussion, et puis voilà. Bon, j'exagère un peu, j'en fais énormément des caisses là-dessus, parce que en vrai, il n'y a pas que ça, il y a aussi des fois des deadlines qui sont un peu short, et du coup, bah, comme t'as pas le temps, bah, tu vas à l'essentiel de ce qui fonctionne. Mais en vrai, c'est super chiant quand t'es en plein dans la musique, et que là, tu fais, ah, j'ai reconnu cette boucle, je l'ai utilisée dans tel projet, je l'ai aussi entendu là, 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 là et là, c'est vraiment chiant. Et vous, est-ce qu'il y a des malédictions qui vous habitent aussi? Genre par exemple, je sais pas, s'il y a des réalisateurs qui, quand ils regardent un film maintenant, et bah, ils voient que ça. Est-ce que vous aussi, par exemple, vous êtes sound designer et vous avez aussi ce problème-là? Ou peut-être qu'il y a un truc que je mets dans ma liste précédente et que vous, ça vous affecte? Bah dites-le moi dans les commentaires, en vrai ça m'intéresse grave. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, elle était un peu plus légère que d'autres vidéos que je peux sortir d'habitude. Mais je me suis dit que c'était assez fun et ça fait un moment que je me tâtais à faire cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, et à la partager pour faire découvrir la malédiction dont je suis la victime, vraiment. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Tchuss !